Vous avez parlé de la somme la plus basse. C'était quoi dans votre esprit? Une somme. Disons une prime. Un pourboire. Une gratification. Voilà, j'ai trouvé le mot. Une gratification. Un proxénète mesquin. Voilà, j'ai trouvé le mot. Un proxénète mesquin. Elle tapera les ordres de mission à 8 exemplaires sur papier carbone. Ça vous a vraiment choqué, vous? Ah, il y a eu de grands moments, monsieur Dupré, hein. De grands moments. À un moment donné, pour vous faire rire, j'ai même failli. Ah! Voilà Fredo le farceur. Dis feu rouge, dis non œil. Tu sais, t'es mon préféré, toi, hein? Mais où est mon partenaire? Mon ami, mon camal? Oh! Le voilà. Mais si un jour vous passez par chez nous, faites-moi penser à vous faire couper les testicules par l'aide très adroit, monsieur Yasser. Tout le charme de l'Orient. Moitié loukoum, moitié sigu. L'indolence et la cruauté. En somme, le Coran alternatif. Chut. Non. Le pot des soupirs, de sinistre renommée. Poil au nez. Les prisonniers passaient directement... Poil aux dents. Ah bon. Les prisonniers passaient directement du tribunal à la prison. L'épaisseur des barreaux donne une idée assez juste de la malignité des gens de l'époque. Mais dites-vous bien, braves gens, que les architectes de Fleury-Mérogis et de la Santé, ces salauds, n'ont rien à leur envier. Poil aux pieds. Oui. Alors, la visite continue maintenant par la visite du Rialto. Poil au dos. Et ben voilà, si vous voulez bien me suivre, on va y aller. Bye. Je vous le rattrape, mon commandant. Oui. Mon cher ami, j'aimerais vous présenter à ma femme. Elle insiste pour que nous vous ayons à dîner ce soir. Ah, oh, vous savez, j'ai un tas d'obligations, des mondanités... Oh, remettez-les, mon cher, remettez-les. Avec plaisir. Ma chérie, monsieur Dupré accepte de venir nous conter ses exploits. J'en frémis d'avance. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose.